ceux qui me rejoindront dans le ciel, dit le Seigneur. La nouvelle alliance du diable, ou nouvel ordre, ou nouveau pacte, un sixième jour qu'il souhaite éternel. 1. Le sixième jour. Yisraël étant littéralement le combattant pour Dieu, ou celui qui appartient au royaume de Dieu, Dieu l'Élohim du ciel, l'image allégorique sur terre de cet enfant de Dieu, l'État d'Israël, est né le 14 mai 1948. Or, nous savons qu'un jour étant comme 1000 ans selon la parole de Dieu, ou comme un an prophétique, une durée de 6 jours prophétique représente donc 72 ans, ce qui nous projette au 14 mai 2020. 2. Un pacte universel initié par l'Église universelle catholique. Le 14 mai 2020 est la date qui vient d'être fixée par l'Église catholique, qui signifie universelle, pour activer, selon elle, un principe de nouvelle pensée universelle, un nouveau pacte, censé donner au monde un nouvel élan commun d'énergie et de pensée et prétendument être pour le bien de l'humanité. 3. Faire de l'homme l'Élohim, Dieu de la terre. De la même manière que Nemrod, le premier roi de la terre, a désiré fonder une société qui atteindrait le ciel par ses propres moyens, c'est-à-dire sans se soumettre préalablement à Dieu, une société universelle basée sur l'homme, ce qui a conduit à l'histoire de la tour de Babel, l'Église, dont le nom est universel, catholique, vient de proclamer l'activation d'un pacte qui désire réunir toutes les tendances religieuses de ce monde afin de les réunir ensemble et non afin de les soumettre toutes au seul Dieu créateur, faisant ainsi de l'homme de ce monde l'Élohim, Dieu de la terre à la place de Dieu. 4. Le temps de se réveiller. Ceux dont l'Esprit a été réveillé par l'Esprit de Dieu auront compris de quoi il s'agit. Le nouvel ordre mondial annoncé par les Écritures. Pour les autres, comprenez qu'il est temps de chercher le salut, c'est-à-dire la protection de Dieu, afin de ne pas succomber dans cette affaire en se laissant séduire par ces fausses vérités proclamées par le diable, car la parole de Dieu dit que nul ne pourra résister, comprenez par lui-même, aux mensonges des derniers temps. Le diable désire faire de son sixième jour un jour éternel, afin d'empêcher le Seigneur d'entrer dans son septième jour, le jour de son repos. Mais ma prophétie est déjà écrite, dit le Seigneur. C'est pourquoi il est temps de me chercher, afin d'entrer dans mon alliance, et non de rester dans celle du diable. Car il sera vaincu, cela est déjà écrit dans ma parole, celle sur laquelle je veille afin de l'accomplir. Venez à moi, il est encore temps, la porte de mon ciel est ouverte à tous ceux qui accepteront de renoncer à leur propre vie afin de se soumettre à moi, dit le Seigneur, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es l'Élohim des cieux, le Dieu Tout-Puissant. Priez pour entrer dans le septième jour, le jour du repos éternel de Dieu. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Sabaoth. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Malachie 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit Yahweh. Genèse 2, verset 2. Et Elohim acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Ceux qui me rejoindront dans le ciel, dit le Seigneur, dans le ciel, la nouvelle alliance du diable, ou nouvel ordre, ou nouveau pacte, un sixième jour qu'il souhaite éternel. Le sixième jour. Un pacte universel initié par l'Église universelle catholique. Faire de l'homme l'Élohim, Dieu de la terre. Réunir toutes les tendances religieuses de ce monde afin de les réunir ensemble et non afin de les soumettre toutes au seul Dieu créateur.
temps de se réveiller. Le nouvel ordre mondial annoncé par les Écritures. C'est pourquoi il est temps de me chercher afin d'entrer dans mon alliance et non de rester dans celle du diable, car il sera vaincu. Cela est déjà écrit dans ma parole, celle sur laquelle je veille afin de l'accomplir. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es l'Élohim des cieux, le Dieu tout-puissant. Priez pour entrer dans le septième jour, le jour du repos éternel de Dieu. Levez les yeux vers les choses encore jamais. Demeureront jusque dans l'éternité. Notre souffrance est seulement momentanée. Elle nous prépare une gloire.